Jeu Battlefield 2042. Petit stream aujourd'hui, il durera pas longtemps, il durera sûrement une ou deux heures, on verra bien. Donc petit stream ensemble où j'ai joué effectivement, on est en train de lancer le serveur BDX, donc voilà, c'est un petit stream amical, gentillet, je vais pas me prendre trop la tête ou autre aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le jeu. Putain. Ils sont contraints de demander des Oui. Les règles Il est spécifiques ou pas? surbien. Il a fait livrer une caisse de mun. Ah non, c'est un ranger. Oh le con. Bon, le ranger est rentré dedans. Donc le manu est dedans. Non, bon, forcément tu peux le guider le Rangers. Ouais, Mais ça, je sais pas comment on fait. ah. Avec le A, deuxième partie de contrôle. Quand tu donnes les ordres, en fait, si tu appuies sur F, tu as les ordres de maintenir position, continue, suivez-moi ou autre. Mais putain, non mais ça m'énerve, franchement ça me gonfle. Oh C'est le putain le passé? ranger! Mais putain, mais je sais pas, ça m'énerve, c'est tout. Je peux pas m'expliquer. Pire que ça va voler par la fenêtre. Yep, j'ai failli mourir dans cette histoire. Qu'est-ce que tu nous as tenté, Yves? J'ai vu un Ah, t'as fait ranger. péter le ranger! Ouais, j'ai tiré une roquette dedans, mais il a fait me tuer avant. Je vois Manu. Je te vois pas, mais je t'entends. Ah putain! Je regarde à l'autre bout du conteneur. Bien vu. L'impression que mes yeux sont en décalage entre la réalité et ce que je vois et j'entends. J'ai du mal à percevoir, on va dire. Ah t'as un lac cerveau, comme je dis. Un lac cerveau. Ouais, c'est peut-être ça, Ou arrête la drogue, je sais pas, mais il y a un ouais. truc, ouais. Vous me voyez, mais moi je. Faut que j'entende pas. Faut que j'entende Regarde, pour. j'ai Parce tellement que sinon, hésité je à sais pas. tirer. Si j'entends pas, je vois pas. Je vous vois pas. Alors, j'en étais où au niveau de mes armes? Moi, j'ai même pas regardé. AK level 7. Ah, RM68, level 33, je suis déjà. Il est au fond là-bas. Ah putain! Headshot à la 68 à 300 En mètres. fait, pour me voir de si loin, moi je vous vois même pas, c'est parce que je vous entends ou j'entends et tire. Bah non, je te vois courir. Putain, Moi, j'avais le déjà truc les yeux de loin, rivés. je me base beaucoup sur la couleur rouge que t'as en plein milieu du personnage. Pas de loin. Bah, c'est vrai, moi avant j'étais avec le maquet, avec le costume rouge, et du coup j'ai changé pour reprendre un costume un peu plus pourri, et je trouve que je suis moins repéré des ennemis. Ouais. Bah oui, c'est le Parce costume rouge. que la Il y a casquette rouge et tout, laisse tomber. Tu fais le beau, mais le en fait, tu fais le lapin, quoi. En normal, ça peut être bien, mais pas en hardcore. Aïe. Putain, t'as pas plus gros, toi, Ali. J'ai pas trouvé plus gros en portable. Toujours Toujours à discrétion. en finesse. Oh putain. Allié abattu. J'arrive. Bouge pas, j'arrive. Pire, c'est que je me retrouve avec le fusil à pompe dans les mains. Putain, c'est pour ça qu'il faut. Je peux t'aider. Merci. Si le bonhomme il veut s'allonger, il se lève, cet imbécile. Attention par là-bas, à 130 mètres. Putain, mais. Hé, hey, toi, je m'entends les tirs, mais je sais pas où que c'est. T'as changé un paramétrage de son, peut-être, non? Par rapport à avant? Non, c'est niveau de vision. Le son, je vous entends. C'est La pas vision, j'ai si. l'impression que mon cerveau il capte pas le. Il y a un temps de retard, quoi. Y a des jours où on J'entends est. marcher. Il est où? C'est pas moi que t'entendais marcher? Non, j'entends marcher là-bas. Il y a un On est deuxième deux. qui. Ah bah non, on est deux, mais tiens, ça vient de démarrer. Ah, GG ça! Je vais me sentir un peu moins seul. Bon, on va avoir droit au char ou à l'hélico, à mon avis. Non, pas polaire. Non, ça a pas l'air.
Après, c'est pas facile de refuser les gens de prendre des hélicos quand t'es 4. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est le serveur, après, c'est soit il démarre, soit il démarre pas. Alors, c'est pas facile de gérer ça. Manu, t'es où? Ah, ils sont sur C2. Oh merde! En retard au niveau flag. C'est vrai. Allez, on va sur ces deux. J'allais dire, t'as Oh, le coup de chat! J'allais te dire, Là, j'avoue, on est sur un coup de chat. Il est juste à l'angle du conteneur là, là où je te spot là. Ok, j'ai une ping, j'arrive. Et le Manu, il est là! Sur moi. Ah! Bah oui, d'accord, t'es là-haut toi. Bah oui, J'ai je cru que comprends tu bien. n'allais pas vouloir mourir! À l'angle des petits conteneurs là, ouais. En pleine tête, hop. Nickel pour Ça, c'est le petit Manu qui va prendre un explosif! Je crois que ça finira avec TF4. Merde, t'as sauté avant que tu commences aux roquettes dessus, Def. Nos alliés attaquent à Charlie 2. Oh putain. Ouais, j'arrive Manu. Je sais que t'es sur B1. J'ai tellement voulu jouer. J'ai pas compris là, t'as pas. J'ai vu la cible comme si j'avais tiré à la tête et t'es même pas mort sur le premier coup. En fait, J'ai rien compris là. moi je me la suis pris dans le torse, la balle, pour moi. Ah bah moi j'avais l'étoile. Tu sais, comme si tu la prenais dans la tête. C'est n'importe quoi ça. Oh. Alors moi je te croyais mort, j'ai arrêté de tirer, puis je dis putain tu dis le poids de ton truc. Je dis non, il est pour moi. Moi j'ai voulu jouer à des poignées minigun. Plus à gauche que ma grenade. J'ai tout mis à côté. Ah non, moi je l'ai pris celle-là. Je l'ai mangé celle-là. Il est à côté de moi, je sais pas où, mais il est à côté de moi, je l'entends marcher là. Celle-là, je la prends en pleine tête, c'était la même. Je vais te soigner. Merci. Bah, j'ai tiré en plus. Ouais, là-bas, je l'ai vu. Là-bas, j'ai fait un petit pas de côté à gauche, sinon à droite même, c'était pas à gauche. Ah, c'est un. Objectif capturé. Bah, alors ça vient d'où? Putain, c'est un. Eh, hey, prochaine saison, on aura enfin la gestion des escouades. Oh. Ce serait pas mal. Ah, c'est ce qu'ils ont annoncé. Comment on s'y amote les escouades? Au bout d'un an. Non mais franchement, 2 ans même presque. Bah, on va sur la deuxième année. Hein. C'est ça, ouais. Au bout de 2 ans, ils arrivent à faire quelque chose. Ouais. Des cerfs-volants. Marqueur en place, en avant. Un petit où ils sont. Les rues sont le secteur Charlie. Comment ça se présente? Nos alliés lancent les hostilités à Charlie. Les Russes sont affaiblis. Oh ah, pour moi, oh, c'est dans le conteneur. Mais tu rigoles, c'est mais. Doublé. J'ai voulu en fait tirer à travers le truc, tu vois, entre les deux portes. Je me suis dit, attends, discrètement. Ça arrive au-dessus. Ah, il y en a un qui a pris un hélico.
Putain, j'entends marcher au-dessus, je sais pas où il est là. Mais voilà, il est là. Ah putain, t'es con. Bah, au revoir. J'étais à me chercher. Bah, c'était ce que je voulais faire, mais j'ai un peu merdé. Bien joué. Ah bah, il s'est écrasé au taquet, quoi. Si t'arrêtes de me shooter de là-bas, putain, c'est un air de shit. Bah écoute, pour l'instant, j'ai pas touché une seule fois. Surprise! Coucou! Oh oui! Bon, par contre, j'ai plus une balle. T'as plus une. Bah, j'ai vidé au moins 3 chargeurs pour réussir à le toucher une fois. Oh, j'ai trouvé avec le véhicule, moi. J'ai pas d'armement à part une lance-grenade de proximité. Je vais me prendre une roquette dans la gueule, moi. Il veut pas mourir, le Manu. Ah. Encore un coup. Ici, on essaye avec l'explosif. Attends, incendiaire. Putain. Il... Ah, je suis mort. Ah merde. Pas de problème. Oh putain. Qui c'est qui me fait péter la gueule? Ah mais c'est toi. J'ai tiré un roquette. Ils sont où? Je vais te dire, c'est peut-être pas bonne idée de tomber au même endroit. Je sens mal. Mais si. Mais non. Ah, on arrive au timer. Mais ils sont où? Mais ils sont où les bourguignons? Ah. Manu? Manu? Ah, ils sont sur A2 et A1 en même temps, putain! Ils prennent les deux points en même temps. Je suis un peu loin. Ah, puis là, faut traverser la map, putain. Ah, j'ai touché le parachute. Oh le con, c'est un ranger! Rien du tout, hein, je te le dis. Mais je vois rien non plus. J'entends des grenades. Oui, c'est ça. Tu dirais pas où c'est que je suis. T'étais toi sur A1 qui me tirait dessus ou t'étais sur A2, Manu? J'étais A1, mais je te tirais pas dessus. Donc t'étais sur eux, toi? Ah non, je peux pas. Non, de toute façon, je te tirais pas dessus. Qu'est-ce qu'il y en a qui me tirait sur le minigun? Ah bah c'est mon collègue. Ouais. C'est beau. Bon allez, s'il pouvait y en avoir 2-3 de plus là, ce serait pas mal. Avec les coups que j'ai loupé. Putain, t'as fait plus de kills que moi, enculé. Et encore, et tu sais quoi en plus? En plus, je me suis parachuté 2-3 fois, j'ai loupé mon parachute, je me suis scratché plusieurs fois en plus. Ah merde. J'ai décollé qu'à 0,5. Mais je crois que c'est le jeu qui est pas réactif. Parce que moi j'ai essayé BF1 et BF5, c'est beaucoup plus réactif, plus dynamique. C'est le jeu qui a le monteur. Ce BF1 est un peu plus lent, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais.
Tu fais des choses, t'es assez rapide à souris et clavier, mais j'ai l'impression que il réagit pas. C'est pas dynamique. Alors, je trouve que ça dépend des serveurs. Je sais que serveur badge, c'est une catastrophe niveau réactivité par rapport à d'autres. Oui, c'est vrai. Et je sais pas pourquoi, est-ce parce que dessus il y a trop de monde, trop de consoles, j'en sais rien. Moi je pense déjà, rien que le problème déjà du crossplay. Le crossplay a toujours provoqué Oui. des problèmes de. Pas trop des latences. C'est ça. Même si ça s'est amélioré depuis le temps, hein, par rapport au début que c'est créé crossplay, aujourd'hui ça reste toujours un problème le crossplay. C'est pas bien Je crois qu'il y a moins de adapté. joueurs console là, en ce moment, je me suis aperçu de ça. Ouais. Ah bah le week-end, enfin, oui, ou la semaine Ben, ce gratuite week-end, de toute façon, il va Steam, pas hein. avoir beaucoup de joueurs, il y a Zedlion. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc. Il est toujours là, le gajo? Ah putain, il est parti. Qu'est-ce que vous voulez? Attends, je vais me mettre avec Manu. Hop, un coup d'un Ouh, côté, c'est un coup de trop l'autre. grave. Hop, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Ah, j'ai pas changé mon arme, fais chier. Tu aurais RM68? Je me trouve avec un gros canon, ouais. C'est pas le truc que je voulais. Ils ont pris le secteur Delta. Hélico en visuel, c'est l'ennemi à 90 mètres de ma position. Et où Def? Les forces ennemies viennent de prendre le secteur écho. Quelque part. Bon, la vache. Si on les arrête pas, ils vont prendre tous les secteurs. T'as tiré d'où? Le pont. Si je te dis que j'ai pas mis assez loin, je pouvais pas reculer, pas tourner assez à gauche. Ah, Attends. Fais gaffe, il arrive. Grenade lancée. Ah putain, je savais pas que tu m'avais vu. Non, je t'ai entendu. Ouais. Un bruit comme si tu essayais de monter sur un rocher. C'est ça. N'arrivais pas à monter. J'arrivais pas à monter exactement. J'ai capturé J'étais un des points coincé comme un derrière. Hop, pour éviter de perdre des points. verrou. Ouais, prenez B. B1. Oh putain, joli ça. Allez. Bien joué. J'ai vidé quasiment un chargeur, mais bon, ça passe. Donc je vais pas prendre A, hop. Ah, pour vous dire, t'étais tellement à découvert là quand j'ai commencé à tirer que t'as dû. À part reculer et te mettre à coucher, je vois pas ce que tu aurais pu faire. Ah non, je l'ai collé sur la gueule! Ah bah là, mon salaud, tu vas la bouffer ta grenade. Tiens, puis ça te Ouais. Ah ouais, là je l'avais collé sur la gueule. Ah, c'est bug ça. Tu veux d'un œil?
Ouais, vraie question, ça te masque à vision ou pas du tout? Non, non, tu vois juste un gros point rouge en plein milieu de l'écran avec le logo de la grenade, comme quoi tu l'as ventousé, quoi. Quand j'ai pas compris, j'ai tiré, mais tu l'as pas prise. Et je l'ai vu partir. Ah bah, je l'avais collé dessus, ouais. Ah, là, tu vires tout de suite, là? Ouais. Je l'ai vu partir et coller, et t'as pas pris. Ah. Ou ouais, parce que quand je suis mort, elle a été annulée, j'en sais rien, c'est bizarre. T'étais pas sur B, toi, Ellie, là, il y a 2 minutes, là? Attends, depuis le temps que j'ai traversé. Nos alliés se battent sur l'objectif Delta 1. Et encore, j'ai feu de canard des pieds. Quand j'étais dans le bâtiment, je me suis dit, c'est la pire idée. Ah putain, je t'entends! Je t'entends, Manu, c'est pas possible ça. J'ai besoin d'une piqûre! Ouais. Piquer l'anus, ça va te détendre. À l'intérieur, mais. Attends, je me suis mis à couvert. Ça sent la catastrophe, je dis ça, je dis rien. Putain, quel nard! Bien joué, j'avoue que j'avais. Bon, changeons un petit peu d'arme. Prenons un truc plus sympa. Oh oh. 430, la P29, la P9. Non, non. Pour les RPG, là. Oh oh. Ah putain. Je suis coincé. Attends, qu'est-ce qu'il a pris? J'étais coincé dans le mortel. Qu'est-ce qu'il a pris? Naka. Ah putain, j'ai un gonze avec moi. Ça, j'ai pas vu celui-là. Bah, il a pas pris. J'ai tiré dessus, tout à côté, j'en sais rien. C'est le qui nous a buté les deux. Ouais, mais j'ai tiré 3 rafales. Mais... J'ai tiré à côté, donc. Même pas de. Quand tu tires pas sur le gars, c'est compliqué à tuer. Je crois qu'elle est pas crevée. Ah, ça aurait pu, hein. C'est-à-dire, c'est... là-bas, j'aurais un petit peu mieux visé, ça aurait pu facilement faire que je te tue avant que tu me tues, hein. Allez, bien. Bien, tu vois. Eh, tu l'as pas volé ce coup de pistolet, Def. C'est vrai. Ah putain! T'es où? Pas là. Je me suis dit qu'à mon avis, tu vas pas spawn sur Echo pour tuer Manu. Non. Ah putain, là-bas. Ouais, j'étais dans les rochers. Et je ah, il t'a eu? Ah, il m'a eu. Il m'a eu, ton pote. Ah putain, quel pété grillage. Ça, j'étais à peu près sûr que t'allais m'attendre là. T'as pété le grillage, je me suis dit, bah ça sert à rien que je bouge, attends. C'est ça. Ah bah je me suis dit ton pote allait contourner le grillage pour rabattre la parga. Mais finalement c'est tout. Hop, ton pote est mort. Voilà, ça c'était cadeau. Je t'ai vu Manu. Ah pas Manu, Def. T'es derrière ta poubelle. J'ai balancé trop long ma grenade, non? Ouais. Elle est passée derrière. Bah, ça aurait pu être le bon move, ça. Oh, t'es pas de repère, toi. Charlie 1 n'est plus à nous. Oh putain, joli. Et hop. Voilà. Ah, il a fait le doublé en plus.
En fait, je me suis dit en tirant dans un smoke qu'ils vont avoir l'idée de tirer de la minigun, je vais pouvoir en repérer un. Hein. Nos alliés lancent des hostilités à Charlie 1. Bien compris. Maintenez la position. Repli. J'ai jamais fait gaffe des. Ah. Y'a un parachutiste quelque part. Ah putain, non, Manu! Tu fais chier là, je t'avais vu! Y'en a un qui m'a tué. Non, mais Yolan, il me prend au shot bateau, lui. Oh la vache! Ah, il est pas en vaisseau avec toi, au moins. C'est sympa. Ouais. Là, j'ai été nul sur Je vois une grenade. Oh putain, pourquoi je me lève? Joué la nu. J'aime bien les anciennes cartes. J'aime bien, c'est ce style de carte que j'aime bien, moi, c'est du post-carter quoi, c'est pas des grandes cartes. Ah. C'est surtout que je trouve qu'elle est plus vivante que les nouvelles, quoi. C'est... Oui, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je... les autres, j'ai du mal. T'es trop découvert, il y a trop. L'environnement, tu vois, l'environnement. Ah, c'est ça. Que tu prends pas une balle. Bah, là, vous. Je sais pas ce que vous avez foutu, les gars. Bah, j'ai tout mis dedans, t'as pas pris une balle, j'ai pas moi, vu. T'as ah, c'est ce que ça fait, c'est ce que ça me faisait taire. Ah, j'ai pas eu une hit mark, quoi. Bon, là, Manu, j'ai rien du tout, là. Là, j'ai pris. Ah, il t'a eu? C'est bon ça. Ouais. Bah, la K24 aussi. Je pense qu'elle a la K24, tout le monde y joue. Ah, elle est pas mal la K24, elle tape bien. Ouais. Elle fait mag. Hein. Elle fait ultra mag. Coucou! Il est temps que je réagisse. Merde! Y'en a qui descend à droite. Putain, j'avais la grenade dans les mains. Putain. Ah mais c'est pas dans les mains qu'il faut la mettre la grenade. Bah non mais je voulais changer et puis c'est pas ça la grenade. Ils sont pas encore prêts à se rendre, mais ils sont bien affairés. Ah putain, je t'entends tirer, je sais pas où. En fait, j'ai eu l'idée de continuer à tirer, parce que je me suis dit si tu vas dans le couloir, je te bute. On est tagué dedans. J'avoue c'est sympa ces petites parties entre nous quand même. Ouais moi j'aime bien. C'est dommage qu'on fasse pas ça plus souvent tu vois. Bah il faudrait qu'il y ait 2-3 gonzes de plus, ce serait pas mal. Bah tu vois, non mais je dis ABDX entre nous, tu vois. Ah oui. Ça veut dire qu'on est un peu nombreux, qu'on a commencé à être 8-10. Bon, bah Bio est mort. Recharge! Couvrez-moi! Ah. Rejoignez cette position! F, c'est notre point, par-delà! Ah, j'aurais dû vérifier sous l'escalier. Je me suis dit que vous étiez pas aidés au même endroit, tu vois. Rendez-vous à cette position, là-bas. Allez, ah putain! Au revoir, hop. Après faut dire RM68 c'est quand même une arme. Ah mais ils vont la nerfer, la prochaine mise à jour, ah, avec oui, le G57. Attends, c'est pour ça que j'ai envie de finir level 40 avec. Et c'est un nerf mérite. Or, paradoxalement, normal, ça va, je trouve. Putain, là. Ah, j'ai tiré vraiment au jugé sur le point rouge. Ah, non, mais c'est. Ah, putain, oui, je suis pas pour ça, mon con.
Laisse le point tranquille et lis un peu, celui-là on l'a pris, il est pour nous. Bon. La bannière étoilée ne flotte pas dessus, c'est pas un point, c'est pas un bon point. Attends. Eh, tu descends pas à bannière étoilée sur C1. C'est proche ça. Oh oui! Mon arme là. C'est pas parti? Ah non, putain, c'est lui qui m'a tué! J'ai cliqué, c'est pas. Qu'est-ce que le bordel? Ah bah, tiens. J'ai pas compris. Sunrise qui vient d'arriver aussi avec nous. C'est bon, ça va commencer à se remplir. Oui, après, j'allais pouvoir tondre. Non, non, déconne pas là! Ah, il fait super beau pour la fois que. Il fait super beau là, j'ai du boulot chez moi. J'ai tondu ce matin moi. Ah non, mais c'était un peu encore humide. Ils annoncent la pluie pour cet après-midi. Donc... Ah putain, pourquoi tu te baisses aussi là? J'étais nul. Là, j'étais vraiment nul. Ouais, cool. Mon pote est là derrière. Ah punaise, je voyais à côté de toi. Bonne diversion. Putain, je le voyais pas. Il était allongé en fait, vers les sacs de sable. Tiens, brûle. Voilà. Tiens, meurs. Non, mais laisse-moi contempler ton ami brûlé. J'étais concentré dessus. Ouf, derrière. Putain. Bien joué, Manu. GG, Manu. Merde. Je croyais que tu étais pas revenu. J'en ai mis plusieurs, Def. Ça va? T'as pas trop mal? J'ai eu Bobo là. Tu veux un autre trou? Ça va aller. Ah, c'est la citerne qui t'a fait péter. C'est ça qui est drôle. T'es où Manu là à me balancer tes grenades qui collent là? Ah non, c'est Ellie encore dans la smoke. Ah putain, il t'a rez. Ah merde. Ah le bâtard. Ah merde, il s'est cassé, Biowan, fait chier. Donc je te rejoigne? Bon, t'inquiète. Oula. Là, il y en avait un de chaque côté. Dans le doute, j'ai pas tiré. Le pire, c'est que j'ai regardé, j'ai vu Manu tirer, je me suis dit, ça sert à rien, je vais le laisser finir. Pourquoi c'est quand t'en as deux face à face, tu sais pas sur quel tir. Ah, j'essaie toujours de. Je mets une rafale sur l'un, une rafale sur l'autre, une rafale sur l'un. Ah, ouais, mais c'est avec tu meurs sur les deux. C'est ça. Ah putain, laisse-moi faire péter la grenade là. Attends, je me suis body block dans la cuve pour un moment. Je me demandais comment j'allais sortir de cet endroit pourri. Oh Manu, laisse-moi le temps de te tirer dessus. C'est mais non. C'est plus drôle quand l'ennemi réplique pas. Attends. J'ai entendu spawner ou courir, je sais pas ce que t'as fait, mais je suis retourné direct. Ah tiens, il arrive encore à même endroit. À gauche, ouais, tout à fait. Oh putain, je mets tout à côté. Après, là, t'as fait un de ces sauts aussi. Un de ces bordels. Et tu sais, tout à l'heure, dans la carte d'avant, Ellie, j'ai vu au niveau, je sais plus quel flag là, il a mis le lien et je l'ai vu le lien à travers le mur. Et c'est là que j'ai vu qu'il montait à tyrolienne. J'ai lancé la grenade SPH et boum. Oh putain, c'est dead.
C'est un bug de merde parce que j'ai même pas vu le Détros, c'est carrément son grappin. Ah j'ai voulu jouer au pistolet, j'aurais pas dû. J'ai déjà tellement mis la misère. Mais t'auras pas ma plaque. Ah putain. Moi j'aime bien le NVK comme pistolet quand même. Bon il y en a, j'ai du mal. Le NVK t'aimes pas en pistolet? Je sais pas si c'est celui que j'ai moi. C'est celui-là qui tire en soit au coup par coup, soit en rafale de deux. Ouais, j'ai pas essayé. Alors, si tu mets deux balles dans la personne, il meurt. Et le pistolet, il est ultra précis, donc c'est ça qui est agréable. Bon, Def. Arrête de péter partout, tu mets de la fumée partout, c'est... Ah, mais j'ai cru le voir passer. Ah non, il pétait là, bien. Même pas vu sauter. Grip. C'est où tu te caches? Grip. Attends, on gagne des points juste en restant sur le point quand il est contesté par un adversaire? Ah ouais, faut croire. Tu gagnes 2 fois 15 points. Bon, c'est un truc. Merde. Allez à terre. Non, je dis rien. Non, j'ai rien à dire. Je me suis dit, attends, je vais rien à dire. Tu parce... riais depuis 5 minutes en haut, qu'est-ce qu'il a, il est où? Je me suis dit, sur le coup, j'ai rien à dire. T'aurais dû le cloter. Non, parce que je me serais levé, elle l'aurait entendu direct, mais là. C'est avec ton cutty bug. Oh putain, là c'était magnifique. Et ratata, on prend des points si on est sur le truc, ah ouais, j'avais peur. Je savais pas qu'un dev sauvage apparaît. Non, mais sincèrement, je savais pas qu'en. Juste en contestant, on gagnait des points, tu vois. Moi j'ai eu 2 fois plus 15 points en défense. C'est pas quand t'as une majorité de tickets, non? Je sais pas. Oh! Ça c'était propre. Un tir! Une bague! J'ai vu Manu arriver! Et j'ai entendu un tir, boum! C'était propre ça! Attends de faire l'entraînement de l'aviation, il s'entraîne. Attends, je voulais tirer une roquette sur mon arrière, sur notre allié! Eh, je suis coincé dans la baraque, y'a pas eu d'être. Comment ils gèrent ça les mecs en avion? Moi je suis pour faire ça. Tu peux mettre en stationnaire ou F-35? Mais il faut un joystick parce que clavier c'est impossible. Ah si, moi j'aime au clavier oh, ça en stationnaire si, en stationnaire t'y arrives. Stationnaire c'est pas compliqué. Et bien sur les F-42 ça. Ah, F-35 hein. Bah tu l'avais aussi sur BF3 et BF4 hein. Ouais, mais j'arrivais mieux sur... Oh bah je crois que t'étais mort toi. J'avais pas le tag arrêt du tout. J'ai tiré dessus pour voir si t'es, tu sais, pour te finir. Bah non, en fin de compte, t'étais pas mort. En fait, le problème Il gère bien les... Le problème que j'ai avec les avions sur Sua, c'est que t'as pas de bombe. C'est con à dire, ah, mais oui. Je n'aime pas les avions quand tu peux pas avoir de bombe, quoi. Parce que je trouve, à partir du moment que tu peux avoir une bombe, mais ça t'ouvre tellement d'ouverture de jeu et de possibilités de jeu... Je préférais, je maniais mieux les véhicules 3 BF4 que celui-là. Ils ont une maniabilité différente sur celui-là. Ouais. Alors, le pire, c'est l'hélico, qui est dégueulasse. Enfin, je parle de l'hélico d'attaque. Hein. Détro, t'es en train de chier pour faire quoi, là? Bah, c'est un peu chaud là, je suis attaqué de toutes parts. Je te propose, tu t'écrases, tu meurs et tu nous laisses gagner. Vous êtes tout. Ah, vous êtes tout. Ah. Je vais devoir arrêter, moi je reviens après. Non, pas de soucis, à plus tard. Yep, ciao. Ok, je veux pas, mais je tourne avant qu'il pleuve.
profite parce que nous c'est toute l'après-midi qu'ils ont annoncé de la pluie. Bon, je serais bien resté, mais... Bah, tu reviendras plus tard. Oui, à moins que si vous êtes encore sous le serveur, qu'il y en a un cavier qui arrive, mais... Bah, j'aimerais bien quand même qu'il y en ait un ou deux qui arrivent en soi. Bah oui. Dès que t'arrives à être 5-6... 5-6 sur le serveur, ça lance un peu, mais en dessous, c'est compliqué. Ouais, c'est par ça. Par contre, j'espère que là, ce qu'ils sont en train de dire avec l'hélico d'attaque, qu'ils vont améliorer, j'espère vraiment que ça va être le cas. Parce que... Bah, l'hélico d'attaque, il est tellement lent, il est tellement peu puissant. Lequel? L'Apache et le K. Qu'est-ce qu'ils vont améliorer? Bah, apparemment, il est en débat actuellement. Et ils veulent les retours des joueurs, apparemment, pour comment l'améliorer. Sa physique, la vitesse, etc. Parce que... déjà, il fait mal quand t'es à pied. Enfin, t'as ça quand t'es en dessous, toi. Alors, déjà, je sais pas ce qu'il veut faire. En fait, je trouve cet hélico par rapport au furtif. Le furtif est largement au-dessus, quoi. Mais dans tous les critères. Oui. Ah, bah, le furtif est complètement au-dessus. Moi, ce que je trouve lamentable, par contre, c'est que le furtif, tu prends une roquette, tu pètes, ok. L'Apache, tu prends une roquette, tu pètes. Au bout d'un moment, l'Apache, c'est pas le même. En fait, le problème, c'est qu'il est aujourd'hui beaucoup trop peu maniable et résistant pour qu'il soit intéressant. Voilà, c'est ça. Il est beaucoup trop fragile. Moi en fait, j'aime bien jouer avec l'Apache, mais l'Apache tu prends une roquette, t'es mort. Soit ils améliorent le blindage de l'Apache pour ouais, que tu puisses jouer à jeu égal. C'est une possibilité. Soit bah, ils améliorent sa maniabilité. Parce que la maniabilité, enfin moi je l'adorais dans le 3 et le 4. Hein. La maniabilité de l'Apache ou à l'époque c'était Apache Avoc. Punaise. Or l'Avoc était quand même un peu plus lourd et un peu plus résistant, mais. Il pétait une roquette même en normal quand tu remettais dans le cockpit, mais n'empêche que l'hélico il envoie du pâté. Hein. Non, moi l'Apache j'aime bien, bon, il est un peu pâteau et tout, ça va, mais c'est juste qu'il est trop fragile. Tu balances les leurres, t'as même pas le temps de te barrer de la zone que le mec il te reloque et. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve l'ancienne maniabilité meilleure. Ouais, je sais pas. Ah, après, c'était pas un Apache, c'était un Viper. Bon, allez, messieurs, moi c'est pas que je pomme, je vais les bosser puis je reviens après. Yep. À plus. À l'heure. On se combat sur C? On reste sur C, c'est un C2. Ouais, et on prend chacun D1 et R1. Ouais, on prend A1, on prend A1, B1 et puis... Ouais, on prend nos extrêmes. Enfin, moi je prends A1, B1 et toi tu prends ouais, ton côté. Et... C'est ça, on prend... Toi tu prends A, moi je prends D, et puis après on prend... Ouais, puis après ça. On se bat sur C. Mais ouais, tu vois les hélicos, je préférais les hélicos d'attaque dans l'ancien BF, tu vois. Bon, après en normal, il est bien. Le Havoc est quand même bien sympa en normal. J'ai envie de faire une folie. Je veux une grosse tornade venir sur moi. J'ai un brawler. J'ai envie de savoir ce qui se passe si je vais dedans. Je sais pas s'il part avec le brawler, si. La à Jeep, ouais. À mon avis, moi je pense qu'il part. Hein. J'y vais. Pour la science. Youhou. Oh non. Je m'en moque pas. Ouais. C'est pas le coup de le BLC ou j'ai carrément déco avec le BLC. Ouais, les petits véhicules tu pars, ouais. Mais les gros, non, normalement. Allez, je sors contre le véhicule, moi. Ton véhicule est encore en... Attends, j'ai quand même mis une roquette à cette daube, il est en vie. T'es pas... Je pense qu'elle est passée juste à côté la roquette. Où j'ai dû vraiment toucher l'arrière. Allez, c'est deux. On y va. Nous surveillerons la situation d'ici.
J'ai bien envie de me remettre BF4 quand même. BF4 pour les maps de nuit avec les visions nocturnes. J'ai jamais joué à BF4 moi. Moi j'ai commencé à BF5. Merde. On a sécurisé un objectif. Le secteur Charlie a été sécurisé. Ah, sérieux? Il me faut un blindé, maintenant! Demande reçue, on vous envoie le véhicule. Ah, sérieux? Tu t'amuses bien avec mon brouilleur? Nickel! Surprise! Mais c'est toujours bien avec mon brouilleur. Ça va, on se plaint pas. Aïe. Oh et puis merde. Bah pourquoi j'ai le mortier, c'est pour cette situation. Je rigole mais quand t'as une infanterie juste à côté de toi, le mortier il est tellement pratique. Oh oh, oh oh. Ah non, c'est bon. J'ai envie de tenter de te mettre un obus en pleine tête. Bah pourquoi tu prends rien là? Bah c'est quand même un tank. T'as avec la protection active ou... Ouais, totalement. Ah bah tu crois quoi? Moi je pensais que t'étais cool. Philippe, t'es où Philippe? Y'a plus de Philippe. Je change de stratégie. Bon bah je fuis. Allez, je vais capturer Echo 1 moi. On pourrait passer ces obus de mortier au pif. Là je t'ai vu. Quand t'as commencé à tirer. Bien joué. J'entendais tes gros sabots en bois sur le sol. Bah tu vois, le tank il explose tout seul quand tu sors. Ce qui est pas le cas du brouilleur. Avancez et attaquez! Mise à jour du bilan tactique. Si on ne les arrête pas, les forces américaines vont prendre tous les secteurs. Ah oh putain, c'est entendu. On était à côté de la même caisse. Bon, c'était à peu près sûr que tu viendrais me chercher à cet endroit-là. On sait pas qu'on était quand même dos à dos de la même caisse, tu vois. Oh putain, mais bien joué. GG. Je suis presque mort, hein. Attaque lancée sur Charlie 2.
Yes, papa! J'ai même. Et là, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, bon, bah alors je dis quoi? J'attends ou. Me récupérer les coins parce que bon. Les forces américaines attaquent un de nos objectifs. Oh, mais non. J'ai carrément rien vu. J'étais sur le bateau, ça m'a ouvert le bordel. Ah merde. GG. Fourberie jusqu'au bout, je me suis dit. Mais je pensais que tu aurais entendu, toi, l'ouverture de... Pas du tout. J'ai juste rushé Echo 1 pour le neutraliser. Hop. Viseur là, ça sera mieux pour un long distance. Ah oh, putain. J'ai pris mon viseur 3,5. 3,5 coup par coup, allez hop. Allez, on va récupérer Charlie 2. Tu vas rien récupérer du tout. Ta gueule. Sur Echo 1 et t'es plus sur Echo 1, c'est quoi ce bordel? Ça t'inspire pas quoi. Le problème c'est que ça peut sortir au piège, c'est pour ça que je me méfie. ça va m'inspirer ça. Putain, joli. Entendu.
Je t'ai entendu du loin. J'ai entendu le... Ah. T'étais planqué où, Verico, hein? Mais non, j'y suis allé, mais après, vu que c'est ton point, j'ai abandonné. En fait, quand t'as commencé à capturer, je me suis dit, putain, il s'est planqué quelque part, Verico, hein? Putain! Je n'étais sûr que t'allais revenir au lance-grenade. Ouais, je connaissais pas du tout, mais je tente là, vu que j'ai pas le M5. Contrairement au serveur des BAD, c'est pas mal. Hein. T'as pas le M5? Non, on avait volontairement avec Silver laissé. Comme c'était dans le jeu normal, quoi, avec les classes. Ah, ok. Alors que les BAD, ils avaient permis de tout croiser. Tu rigoles, mais moi j'aime bien ce côté un peu plus restrictif. Tu vois? Bah, c'est ce que disait Jake, c'est que ça t'oblige à jouer comme en un vrai équipe. BF. Ah, voilà, en équipe, quoi. Bah, tu vois, c'est comme quand on me dit « Ah, tu t'es Rao, tu peux prendre un Stinger. » Oui, mais en fait, tu fais tout. T'as pas l'obligation d'avoir un coéquipier. T'étais sur le conteneur, ça. Ça t'oblige, là, effectivement. Par exemple, je prends le cas des hélicos. Bah, t'as besoin d'un Rao pour neutraliser un hélico furtif et t'as besoin du Stinger à côté. C'est ça. Et c'est beaucoup plus efficace en plus, tu te rends compte. Parce que de toute façon, Rao tout seul ne pourrait techniquement plus le faire, parce qu'ils ont augmenté son temps de piratage. Il m'a refait la même. Il s'est refait exactement la même, je me suis dit... Ah oh, putain, la PA que je me suis fait chier. Il va me faire la même, je sens que tu vas me faire la même. Oh putain, c'est qui est avec moi là? Ah, il y a Seri machin qui est avec moi. Ah putain de Seri. En fait, je m'étais planqué entre. Derrière les trucs rouges de là où t'étais. Ça me permettait comme ça d'être un peu plus discret par rapport aux hauteurs. Oh putain, GG. Vous me regardiez ou. Je sais pas, l'autre était en train de tout déployer là, le vulcan, le machin, le bordel. Mais... Allez hop, en pleine tête dans ton hélico. T'as vu ça quand même? J'ai quand même descendu le pilote. Ils appellent des renforts, on progresse. Faut pas ça très futé d'amener l'hélico là au milieu. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Oh oui! Jouer. Le problème c'est que maintenant tu le sens venir. Ah bah au bout d'un moment. Ah putain. Je sais même pas comment j'ai pas fait pour pas mourir. Là, j'ai tout mis à côté, mais alors j'ai tout mis à côté. Ah, l'hélico qui était garé, hop, y'a plus d'hélico garé.
Oh putain. Allez hop. Il est mauvais, l'autre il est couché et il arrive même pas à me couvrir quoi. Le plus drôle c'est que j'ai commencé à lui tirer dessus avant qu'il me tire dessus. Allez, oh putain. Je te vois pas en plus, ça me casse les couilles. Ah, bah le mec il s'est cassé. Putain, il a pas envie de démarrer ce compte serveur aujourd'hui là. Pas ce qu'il branle les gens. Mais... Ah, ils sont en train de regarder la ZLAN. Ouais, je sais pas. M'en fous, j'ai un viewer fidèle sur mon stream. Oh, quel nard. Qu'est-ce que t'as. Merci pour la destruction du véhicule. Ben je voulais te balancer le véhicule sur la gueule et sauter, sauf que quand j'ai sauté, le véhicule m'a tué. Vas-y, recommence avec un autre hélico, je t'attends, je ne bouge pas. Je sais pas ce que j'ai branlé là, mais bon. Ah, ça touche! Oh putain! T'as entendu? J'en étais sûr! Yes! J'allais tenter le bacage! Mais ça n'a pas marché! En fait, quand je t'ai pas vu revenir tout de suite, je me suis dit: putain, il va revenir par derrière! Et je t'ai à peine entendu, je me suis dit: c'est bon, tu contournes. Ah oh, putain, d'accord, ok, c'est bon, j'ai vu. En fait, c'est un endroit trop bien quand t'as envie de tuer ceux qui viennent par en haut. En fait, quand t'es en haut, t'es focus vraiment sur le milieu. L'extrémité, le corridor haut, t'as tendance à gratter. En fait, c'est ce que je me suis dit, est-ce que t'as pas lancé une smoke pour faire diversion, pour avancer? T'as vu? Moi, je suis un peu prévisible, mais bon. Ah, bon, c'est une... Donc, en fait, j'étais de l'autre côté, j'étais vers le corridor. Vous voyez, je vais être juste derrière toi si tu seras rentré. Le problème, c'est que j'avais pas le choix que de regarder à gauche aussi. Parce que t'as le petit renfoncement sur la gauche. Ouais. Et tu prends pas le point dans l'enfoncement. C'était là que je voulais me mettre à la base, mais... Sérieux? Ouais. Et ouais, tu prends pas le point dans l'enfoncement. On se bouge. En avant. Nous suivons votre progression. Repoussez l'ennemi, on a l'avantage. Les ennemis ont sécurisé un objectif. Et bim! Le pire, c'est que j'aurais pu te tuer, j'ai pas tiré, j'ai pas réagi.
Ah putain! Je me doutais que t'étais quelque part par là. Ah bah si, en fait j'avais attendu coucher que tu reviennes en fait sur le point. Mais vu que tu sortais pas, je me suis dit attends, il s'est... Il y a des mongoliens qui se rentrent dedans en courant. C'était un peu l'idée. J'ai vu un crâne chauve passer. Ah putain! La glissade, t'as failli m'avoir, 10 PV. Tu te serais pas décalé, c'était bon, mais tu t'es décalé, ça m'a cassé ma dynamique là. Bah, tu rigoles, mais petit peu à gauche ou à droite, parfois ça te sauve, parfois ça. Ça en général, je le fais tout le temps, mais, enfin, les gens ils aiment pas, et moi le premier. Quand t'as le mec qui commence à se décaler à droite, toi tu tires à droite, il s'est déjà redécalé à gauche, et puis là tu mets tout à côté. Exactement ça. Ah, oh oui! Le pire, c'est que j'ai vu qu'il était couru dessus. Le timing parfait, putain, c'est bon ça. Défendez cet objectif. Le commandement reste vigilant. Je t'entends marcher là-haut. Où tu t'es caché, mon vieux? Tu me vois pas? Non, tu me vois pas? Tu me vois, toi? Je te vois. Attends, on peut capturer d'ici? Non, on peut pas capturer, oui, c'est ce que je pensais. Attends, mais je suis aveugle? Attends, mais je suis totalement bigleux! C'est pas possible! Je te vois pas! C'est quoi ce bordel? Mais je suis aveugle! C'est pas possible! Alors? On n'attend pas Patrick? Mais t'étais où? T'étais pas sur... J'ai vu regarder les trucs rouges sur les côtés, t'étais pas dessus? Hein? Bah, je peux pas tout te dire. Bonne chance à vous. Mon petit secret. Si ça continue, les Américains vont prendre tous les secteurs. Et l'avantage, au moins, on monte dans la maîtrise des armes. Bah oui. Allez, viens sur ces deux. Oh avec putain! Vous. J'ai vu l'épaule se décaler, je savais pas si tu m'avais vu. Et c'est le truc qui me fait chier sur ce jeu, enfin sincèrement, c'est le gros point rouge qu'on a au milieu du corps. Ouais. Parce que c'est ça qui m'a fait te repérer, hein, sur le coup. Il y avait un point rouge à un endroit qui devait pas en avoir. Non, nécessairement, putain, t'as mis combien de balles à côté? Ah, je sais pas, mais... Je me suis dit, là, c'est mort. Là, je touche rien, là, je vais mourir, là. Et non. Mais t'as mis un de ces nombres de balles à côté, mon vieux. C'est ça. Tu peux perdre une balle, mais pas 15 balles. Mais pas 15, ouais, là, c'était un peu qu'un chargeur, ouais. Ah là, oh, je t'ai même pas touché une fois. Je t'ai même pas touché une fois. Putain. Alors, je t'ai mis 20 bacs dans le buffet, dont à mon avis 18 à côté. Donc, il y en avait très peu dans toi. Hein.
Ah, j'ai vu une balle partir. Ah, j'ai tiré qu'une balle, je crois. Nos troupes attaquent Charlie 2. Pas la peine de passer à la serpillère, hein. Quand t'as dit ça, j'ai compris où t'étais. C'est taille cadeau, après. Ah, l'autre fois sur le serveur bad, putain, à chaque fois que j'arrivais sur le pont, à chaque fois le mec il me défonçait, j'étais là, putain, je regardais partout et tout, je suis là, mais il est où cet enculé? Et en fait, il était planqué, tu sais, avec le bon costume de la bonne couleur de l'avion, là, ouais, posé c'est ça. Sur l'aile. En fait, c'est le seul endroit où j'ai pas checké, j'ai pensé à regarder de travers les pipelines sur le haut, enfin les tuyaux. Ouais, par exemple celui-là, j'ai vu les tirs partir, il avait un grenade en main, c'était mort. Et j'ai une idée de merde, faut que je teste mon idée de merde. Je suis sûr que ça marche pas, mais faut que je la teste. Je suis sûr que ça rentre pas, ça, là où j'ai envie de l'amener, ça. Je crois que j'ai à peu près compris ton idée de merde. Attends, faut que je fasse un test. D'après toi, est-ce que le KA peut rentrer sur le point C2? Ça se tente. Attends, c'est déjà assez compliqué comme ça, je t'assure. Attends, il faut vraiment que j'aille tester jusqu'au bout cette merde. Non, ça va être compliqué. Non, là c'est mort, regarde. Là c'est... Là c'est... Attends, me tue pas, j'ai envie de voir un truc. Eh, à mon avis, ouais, ça peut passer, je pense, en... Je serais bien passé bien droit. T'as même dit me tue pas et me tue, quoi. J'ai d'un eu moment. Peur, je me suis dit si je bouge, je meurs. Ah, et tu peux abattre ça? Ouais, donc ça serait faisable, à mon avis. Ah. C'est mort. Ah, laisse-moi essayer. Vas-y, je te laisse tester. Non, avec le Nightbird peut-être, hein. Nightbird, c'est sûr. Nightbird, ou alors avec l'autre. Là. Avec le Huron ou le je sais pas quoi, là. Huron. Le problème, c'est que le Huron, en fait, le gros problème, c'est que... Là, t'as avantage, t'as le canon en soutien. T'as le petit canon à la con. En copilote. Ah mais oui, je suis con, toi t'es passé par le haut. Ah oui, j'allais dire ça. En passant par la porte ça marche pas, mais... Ah oui, je suis passé par le haut. Attends, je dégomme l'hélico. Vas-y. Il est mort. Alors, monte un petit peu. Putain, il est chaud à stabiliser le machin. Ah non. Eh ouais.
J'avais les pales coincées. C'est chaud à faire la remontée avec le truc qui entoure l'avion là. En fait, faudrait dégommer. Je pense qu'il faut les dégommer avant. Ouais, faudra dégommer le paravent là. Encore une roquette. Bon, on va retester avec un autre hélico. Les idées de merde. Attends, je meurs des poids. On va prendre un autre hélico. Ah merde, ah oui, maintenant vu que je viens de faire péter le cas, il faut attendre 1 minute 30. Merde, le con. La conne que je suis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es attrapé à queue de ton avion dans... Ouais, c'est ça. J'ai buté devant, du coup, j'ai essayé de relever et j'avais la queue qui était coincée derrière. Donc j'ai vu un animal blessé, je me suis dit, je vais finir son agonie. Attends, je vais repéter les deux petits paravents qui manquent pour le test après. Là, je pense que ça devrait passer, à mon avis. Oui, là, maintenant, ça va passer. Ouais. Pouh ! Attends, j'attendais le deuxième passage. Je peux en faire qu'un avec le machin. Comment ça, tu peux en faire qu'un ? Eh ben après, tu sais, le grappin, t'as un temps de latence. Ah oui, donc sans ça. J'attends juste... Ah, c'est bon, j'ai un nouveau cas. J'arrive. On va faire le test. Autant C1, c'est pas compliqué d'amener l'hélico dessus, tu vois. Autant C2... Après, je pense que l'Apache a un peu plus de facilité du fait qu'il est un peu moins gros. Activité ennemie à Charlie 2. Alors, on va y... Merci pour le train d'atterrissage. Ouais, je peux rattraper. Est-ce que tu plantes devant? Ouais, là, je suis planté devant. Je peux peut-être. Alors attends, faut peut-être que je navigue un peu à gauche. Un peu comme ça. Non. J'essaie de te pousser, mais ça marche pas. J'ai mis un coup d'aiguille, je sais même pas comment. Ah. Bon, ben évidemment, en plein combat. Et après, on va prendre un screenshot pour mettre ça sur ABDX. L'objectif Charlie 2 est attaqué par les forces américaines. Attends. Vas-y, prends le screen. C'est bon, on a le screen, c'est bon. C'est bon, je l'ai. C'est bon, t'as le screen, vas-y, c'est bon. Tac. Y'a l'équipe d'attardé. Un fichier, c'est ça. Il faut que je vais voir ce screen. Bim. ChatBDX, t'as mis sur ChatBDX, ouais. Il est encore de cours de chargement. Dessus, j'attends de voir. Attends, on va essayer de le faire sortir maintenant. C'est quand même compliqué, hein. T'imagines en pleine fight.
Ouais, en pleine fight, à mon avis, t'es mort depuis longtemps. Attends, on va refaire un autre screen. Ah merde, y retourner, merde. Oh bah il est mort. Ah magnifique, ah magnifique ce screen. Les mecs ils vont crier au fake. Et on a pas fait... on a vraiment amené hein, le pire. Et le pire c'est que j'ai... Hey, je peux mettre une rediffusion de stream qui le prouve ça qu'on a réussi. On après ça prouvera aussi qu'on l'a pas forcément fait sur un serveur full quoi. Mais bon. Ouais attends, on a... au pire on fait un clip du que du passage qui nous intéresse. C'est vrai. Non mais attends, t'as mis combien de balles à côté? Bah en fait tu serais parvenu, je mettais tout à côté. Je me suis dit que t'avais plus de balles, je pouvais revenir. Nous avons perdu Charlie 2. Oh ouh. Putain, joli ouais. Cette tête t'es pas bouillie. Joli, joli. Mais j'avoue que le screen il rend bien quand même. Donnez-moi des infos. Ouais, l'hélico il est en plein milieu, ça pète. On manque de ressources et on perd trop de... Vous, il est en plein milieu, t'as le logo derrière du truc au-dessus de l'avion. Ah, on aurait peut-être pu en faire un plus beau. C'est que toi, en prise de vue, tu te serais mis là où t'es actuellement. C'est vrai. Oh merde. Et là, t'as même plus de réflexion. T'as tout collé, tu dis, bon ben... Voilà. Quand t'as le truc collé, il est posé. Ouais, attends, allez, je reprends un. Tu es sûr on peut refaire un meilleur screen? En plus, tu vois, on s'est vraiment fait chier, on prenait un gros délit, quoi. On n'a pas pris plus petit en plus dans ce... Après, je pense qu'un F-35, tu peux aussi l'amener à son... Bande de cheaters. En fait, je descends un tout petit peu trop, en fait, quand j'arrive là. Ouais. Là, tu peux descendre un peu. Là, tout droit. Tout droit, ça doit passer. Hey, j'ai réussi beaucoup plus rapidement. Vas-y. Attends, qu'il se lise. C'est bon. T'es pas blessé, t'es en roquette. Hop. Allez, bim. Bim, fichier. Bam, boum, ça fait enregistrer tout. Enregistrer tout. Tac, 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 bureau. Je montrerai juste ce secteur-là, puis après on va aller sur C1. On va en faire beaucoup de screen daily, quoi. Un fichier. Voilà. Mais tu rigoles, mais le copilote, il serait tellement bien à cet endroit-là quand même. Ouais, mais là tu te prends un M5, tu peux rien faire là. Oui, mais le... Voilà. pour être cheater, deux fois fait. Voilà. Mais par contre, ouais, chose plus sérieuse, quand t'as un affrontement, que t'as ton équipe, quand t'es russe qui essaie d'attaquer ces deux,
Toi, tu amènes l'hélico derrière, sans aller sur le point, tu peux canarder. Ouais, ça j'avoue, tu peux faire mal, ouais. Où est-ce que tu te caches? Ouais. Pas loin. Derrière toi, comme dirait Jeremy. T'as regardé? Ah, je t'ai raté. Ma plaque, t'as qu'à venir chercher. Vraiment jusqu'au bout, la saloperie. Moi, je tente. Mais j'avoue, là, les hélicos, on les a amenés. Putain, hey, sur un map d'avant orbital, on aurait pu amener aux hélicos à des endroits drôles. Hein. Genre à côté de la fusée qui est dans la structure. Alors à deux ? Ouais. Hey, Mappa, viens là, Mappa. Ah ! Ah. Je l'ai vu exploser en l'air, ton truc. Premier en réanimation avec zéro, nickel. Égalité temps, aussi. J'ai pas eu un coéquipier depuis le début de la partie. Je n'ai pas eu du tout. Si, t'en as eu un, mais il est mort trop vite. Putain, j'ai fait 27 kills, je te disais. Tu vois, le premier screenshot, je pensais que ça allait mieux rendre le deuxième, mais le premier rend mieux, tu vois. De screenshot. Ouais, parce que t'as l'hélico au-dessus. T'as l'hélico au-dessus, t'as l'avion en dessous, tu vois mieux où c'est, ouais. Ouais, en fait, t'as plus la perspective, t'as vraiment l'impression que l'hélico vient dessus, alors que là, t'as l'hélico juste en face de toi, t'as l'impression qu'il décolle, en fait. On a brillé. Ah, ça me rappelle l'époque où je testais le BLC. Tu te souviens avec le BLC quand il était sorti? Ouais. Sur un map avec les falaises. À l'exposition, où tu faisais rentrer dedans. Je rentrais, je ressortais, ni vu ni... Ah bah tiens. Mais sur cette map là, l'autre fois avec l'hélico, je me suis fait la traversée du tunnel. Petite traversée du tunnel avec l'Apache, c'est pas mal. Ouais, on va combattre sur B, gars. Putain, je vais te montrer. Ouais. Putain, je vais prendre le brouilleur, je vais te montrer quelque chose avec. Cette map. Tu te souviens de moi à l'époque et de l'OBLC sur cette map? Bah, je peux t'assurer qu'avec le brouilleur, je fais pareil. J'ai trouvé les petites routes, tu vois, pour rentrer sur le point. Faudra que je teste avec les tanks un de ces quatre. Vous couvrez mes arrières, je couvrirai les vôtres. En plus, l'activité sismique en Colombie-Britannique a endommagé un centre de recherche américano-canadien. T'inquiète pas, avec le brouilleur, je vais finir sur B2. J'ai testé un coup ça en multi en normal, je crois que c'était. J'ai testé pour la première fois. J'étais arrivé sur B2 avec les lance-grenades incendiaires et le truc de proximité. On avait fait ces carnages. Ah, c'est chaud quand t'es dans des endroits exigus comme ça de réussir à rester. De pas avoir un gonce qui te colle du C5 ou. Bah, en fait, le brouilleur avec tout de proximité, en fait, qu'il y en a qui s'approchait un peu trop, tu le nettoyais comme ça. Ouais. Ça marchait pas trop mal en plus. T'avais les gars qui spawnaient sur ton véhicule qui sortaient. Pour capturer le point, t'avais le véhicule en soutien en plein milieu. L'ennemi vient de s'emparer du secteur Delta. Mais l'autre fois, t'avais les gonzes qui avaient mis l'anti-air sur le toit de B2 avec, tu sais, les trucs anti-missiles autour là. Tu pouvais rien faire quoi. Les mecs qui respawnaient dessus, t'avais toutes les balises autour. En hélico, tu pouvais pas approcher. Fantassin, tu pouvais pas approcher. Ah, c'est un peu le problème. Oh.
en B1, va sur B2, j'arrive. Moi je trouve ce qui est dommage avec ce véhicule, c'est que je trouve au niveau du canon principal, il manque de pets quand même. Le brawler ? Ouais. Ça reste un transport de troupes quoi. Ouais, en anti-véhicule, il reste bon dans son job. Mais en anti-infanterie aussi, mais voilà, c'est pas un VCI quoi, c'est ça que je trouve dommage. Ah, tu veux me suivre ? Bah vas-y, viens. Je vais te montrer comment je monte sur B2. L'un de nos objectifs est attaqué. Hop, voilà, tu te passes là. Ah, tu peux grimper par là avec le machin ? C'est bon ça. Voilà, tu passes là. Et après, bah voilà. C'est moins drôle, hein. Là, t'as la protection active ou quoi ? Ah ouais. Ah putain. Direct. Là, direct. Un obus de 25, je t'ai mis dans la gueule. Finalement, ça marche bien. Ah mais vu que c'est un véhicule... Là, le truc, tu l'améliores. T'enlèves mon canon de 25 mm, tu mets le shotgun, là. Là, si tu veux prendre un screen, ils vont nous dire qu'on était malade, on n'arrête pas de cheater. Attends, t'es parti où, je t'entends ? Je suis sur B, je suis toujours sur B. Hop, bam, fichier enregistré. Exposition. Tac. Le problème du brawler, c'est comme il est haut comme véhicule, tu peux pas descendre là derrière. Sur le truc des hélicos là ? Si tu peux, mais entre... Tu vois là le sort de salon que t'as à droite, en descendant. Ouais. Entre hélicos. Ah oui, oui, donc tu passes pas là, ouais. On est resté coincé l'autre fois avec Jeremy. C'est bien ces 11 grenades, hein. Pas mal, faut admettre. Mais les gens ils sont en train de... On est en train de montrer de ses strats. Bon allez, au revoir le brawler, ravi de t'avoir connu. Brawler, non. Attends, il a survécu le brawler. Il a survécu à la chute. Oh, parce que t'étais pas dedans, j'imagine. Je suis sûr que si t'étais dedans, il aurait pété. Peut-être. Ah, le pire, c'est que j'ai pas réagi. Je me suis dit, c'est un morceau de truc. Puis après, en revenant dessus, je me suis dit, c'est pas normal. C'est trop. C'était ta petite tête que je voyais. En plus, j'ai déjà réussi à amener le tank aussi sur B2. J'ai acheté... PKP, tu vas jouer ? Bah, c'est que j'avais pris les mines anti-char pour faire péter ton brawler, du coup. Alors, brawler, faut 2 mines anti-char, hein, je te le dis. 3 en normal, 2 en hardcore.
Nous avons perdu le Donc c'est ça que j'aime bien contre les BAD, quand il est full vie, les BAD ils viennent se suicider dessus avec les mines anti-chars. Oh putain. La gars elle était pas volée celle-là de bague. Elle fait bobo les RM68 là. D'ailleurs j'en suis où les RM68 d'ailleurs. En maîtrise. Collection, maîtrise, matériel, RN68. Level 35, 15 kills, encore 5 à faire. Oh putain! Oh la tête! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Y'a un problème, Houston! Ah putain! Donc, toi, t'as débloqué les canons de 30 mm dessus. Ouais, mais j'ai pas mal joué avec celui-là, moi j'aimais bien. Je trouve. Mais je sais pas, ils ont fait un truc où, ouais, avant il était plus résistant, maintenant il pète de peur. Alors en hardcore, c'est... enfin les hélicos dans les BF sont toujours pétés en une roquette de M5. Ouais. Parce que le Hind, enfin faut y en mettre. Alors, quoi. Les hélicos de transport c'est une spécificité, mais. Les hélicos d'attaque ça a toujours été une roquette Viper, etc. Avoc. Moi ce qui me dérange plus c'est que c'est qu'aujourd'hui même en normal en une roquette il meurt. Mais ouais mais j'ai pas mon M5 là, ça me casse les couilles. Ah mais si avec si. Le bon Boris je peux l'avoir le M5. Oh oh ça va puer. Moi je sais pas jouer au snipe, mais avec le M5 c'est presque pareil. C'est mieux qu'un snipe. C'est vachement plus efficace. D'ailleurs en collection j'en suis où avec ce perso d'ailleurs en spécialiste ou... Ah je suis quand même 26. Ah putain j'ai pas eu le temps d'armer. Eh hey, t'es sur le point. T'es tombé sur le point. Non. Non, non. Je te vois venir avec ton avion. Mais apparemment, pas si bien que ça. Oh putain, je m'écrase comme une merde sur la falaise. Oh le naze. Sa grand-mère. Attends, faut que je teste un truc. T'inquiète, tu peux capturer B2, j'arrive. Je suis en train de repenser quand je t'ai explosé ton Little Burg, t'étais à 100 PV, on est d'accord? Ouais. C'est-à-dire qu'en normal, en deux obus, je t'aurais dégommé? Bah, visiblement. Bah, après, Little Bird, il est. Ça reste un petit hélico de reconnaissance, quoi. On sait pas quand même que ça faisait aussi mal, quand même, le 25 mm anti-char du brûleur. Alors, de mémoire, si je veux pouvoir venir avec ça sur B2. Là où c'est un peu plus sport. Normalement c'est faisable. J'avais déjà réussi un coup. Ah ou je crois qu'il faut que je contourne. Ouais, je crois qu'il faut que je contourne par là. C'est ça. Ah. Excuse-moi. Hop. Bravo 2, suivez une attaque russe. J'arrive. Ah mais ça sert à rien de tirer dessus, c'est pour le screen en fait que j'ai fait tout ça. Surprise.
Allez, tu peux prendre le screen. Ah bah là, je savais que ça passe encore le tank sur mes deux. Et t'es monté au même endroit hein. Avec le tank. Ouais, je suis remonté sur mes deux avec le tank, tu crois quoi? Ouais, mais t'es passé au même endroit qu'avec le lutte. Non, tu veux que je te montre? Vas-y. Alors c'est, là par contre, c'est déjà un peu plus tendu. Hop. Parce que le tank il est trop large pour là où je suis passé avec le brawler. Donc tu peux pas tu passer sur le côté là. Ouais, et c'est là où c'est casse-gueule. Alors attends, je vais quand même te je me suis body block. Hop. C'est là où c'est un petit peu casse-gueule. Le truc. Hop. C'est qu'en fait, faut que tu prennes un peu d'élan. Pas besoin d'autant d'élan que ce que je viens de faire. Parce qu'en fait, si tu essaies de passer droit là, vu que c'est indestructible la partie là, mais en fait, tu pourras jamais passer. Le truc qui est un peu casse-gueule, c'est que si t'as pas. Merde. Voilà. C'est que si tu prends pas bien comme il faut, t'arrives pas à monter. Hop, et là il faut absolument que tu tournes. Sinon, si tu continues à aller tout droit sans tourner en même temps que tu montes, en fait tu vas taper tout droit et tu vas tomber. Bien vu. T'es vu sortir dans ce roquette, je me doutais de la suite. Puis après, en gros, après, vu que c'est un tank, tu passes un peu partout et voilà. Et c'est comme ça que tu peux amener le tank en fait sur B2. Et je crois que ce tank, tu peux même l'amener sur. Oh punaise, vas-y, viens. Là j'ai besoin d'un d'un shoot casse photo là. C'est bon. Vas-y, prends la photo. On met au milieu du salon. Au milieu du salon, je pense. Hop, c'est bon. Non, je pense que t'as une meilleure vision d'ici à mon avis. Alors, CTRL V. Yep. Enregistré. C'est quand je suis en retour bureau et que pour revenir. Par contre, la question c'est est-ce que je peux ressortir de là avec le tank? Bon, pourquoi tu pourrais pas? Parce qu'il se peut que j'ai un petit glitché à tourelle pour rentrer déjà. Parce que là, regarde, je t'ai aidé à sortir moi. Attends. Vraiment, vraie chose curieuse, est-ce que je peux remonter là? Ou est-ce que. Bah ouais, tu passes là. Oui. Je passe. Et est-ce que je peux aller sur le stadium? Pas grave. Désolé, plus de patience. Mais par contre, rigole pas, le tank, j'ai jamais tenté de l'amener là où on vient de l'amener. Tu dois pouvoir descendre dans les marches par contre pour le coup. Non, t'es plus bas à l'entrée des marches. En fait, j'avais peur de pas remonter parce que justement, il y a moins de hauteur. Tu vois? T'es vu? Ah, je sais pourquoi t'as pris la PKM, pour avoir des munitions. Pour avoir des packs dans le chargeur, vu que tu mets tout à côté. Aïe, t'as peut-être pas besoin d'autant. Pas que. Mais c'est vrai que j'ai un petit problème de balle, ouais. J'aime bien en avoir beaucoup. Alors, par contre, j'ai jamais testé. Tu penses que Wildcat, il peut aller sur B2? Wildcat, non, on avait essayé de le faire poser sur le parking et impossible de rentrer après. Remarque peut-être en passant. Alors, par là. Depuis l'extérieur, ça me surprend pas, tu vois. Puisqu'il est. Il bloque, il est vachement haut le Wildcat. C'est juste pour ça, je me demande si le Brewer il est pas plus bas que le Wildcat. Bon, le BLC, je sais que j'arrive à le faire glitcher un peu partout, donc ça on s'en fout. L'avantage de ce qu'on est en train de tester, c'est qu'en fait ça va mettre ça en pratique en multi. Bon, sur le serveur bas de haute, ils vont nous insulter. Je pense qu'il y a moyen, ouais. Attends, je suis en train de tester d'amener Wildcat. Je pense qu'à mon avis, il passe. Ah. Oh. Alors si, je passe au même endroit que le Brewer, déjà, niveau largeur. Par contre, niveau hauteur, là, il va coincer, je pense. Ah, il pourrait peut-être passer là. Est-ce que... Ouais, donc... Ouais.
Ça peut rentrer au même endroit, par contre, si est-ce tu que passes large, ouais. Est-ce que je peux ressortir une fois que je serai marche? Je pense que oui. Parce que pour moi, il me paraît plus haut que le brûleur, tu vois. Bah, j'aurais envie de dire oui, avec la mitraillette et tout, mais... Par contre, à mon avis, je peux pas descendre là où j'ai amené le tank tout à l'heure, à mon avis. Non, c'est mort. Ouais, non, tu bloques. Ouais, t'as la tourelle à missile qui bloque. Ah! Ah ouais, non, laisse tomber, t'as toute la hauteur de la tourelle à missile qui bloque. Ouais, et à mon avis, de l'autre côté. Et après, de sûr, par extérieur, ça passera pas. Wow. C'était même pas volontaire le pire dans cette histoire. Là par contre le BLC... Ouais bah, le BLC il passe partout lui. Oh punaise, j'ai pas été écrasé. Par contre je crois qu'une fois que tu mets dans l'escalier où t'es allé là, de mémoire tu peux rentrer là dedans. Par contre je crois que tu peux pas ressortir après. Bon si, y'a pas de raison, ça va. Ah ouais. Ouais, ah, t'as la mitraillette qui bloque. Par contre tu peux rentrer, tu vois, c'est des trucs un peu comme ça où tu peux glitcher un petit peu, bordel. Ah si. Ah si, c'est qu'en marche avant en fait. C'est en marche avant. Ouais, tu peux y aller qu'en marche avant. Ah, d'ailleurs j'ai jamais testé, est-ce que je peux descendre jusqu'en bas avec? Mais après ouais, mais t'auras les... T'as les bits en bas qui vont te faire chier. Voilà, maintenant t'es coincé là. Je rigole, mais je crois même que... Attends. J'arrive. C'est tellement grave que BXC, putain, t'en as manqué. Ce véhicule, c'est quand même du n'importe quoi. Après, hop. Oh, il est pas mal, le BLC. Ah, mais dans le bon sens, hein. Bah après, moi, je trouve que c'est... Enfin... C'est un bon compromis. Bon, il est efficace, il fait mal, machin. Maintenant, tu mets deux roquettes, il pète, quoi. Oui. Il est pas non plus indestructible, il est pas... Enfin... Tu vois, tu mets une bonne roquette, il a mal au cul, quoi. Alors, attends, il y a un... Je me suis posé un coup une question, tu penses qu'avec le BLC je peux contourner par la gauche? Je crois pas, je crois que tu te casses la gueule. Ah quoique. Je suis sorti trop vite. Attends, je crois bien que c'est faisable. J'ai pas cru en moi. Non, tu glisses. Non, tu glisses ouais. Glisse. Parce qu'il monte un peu partout ce bordel. Au volcan? Mais non! Bah maintenant en fait le volcan est devenu une arme anti-char en fait. Oh putain les bâtards! En fait le volcan ils ont réduit les dégâts contre l'infanterie mais ils ont augmenté contre les... Enfin ils ont augmenté contre les véhicules, il fait un peu de dégâts aux véhicules. Par contre un truc que je comprends pas maintenant quand je fais péter des véhicules, j'ai à la fois l'élimination et l'assistance de destruction du véhicule. C'est parce que je l'ai fait au volcan, peut-être. Parce que ça, rassurez-moi, ça compte pas pour deux quand même. Donc, oui, ça compte que pour un avec le volcan. On a tellement fait les cons quand même. À quel moment tu meurs pas là sans déconner? À quel moment tu meurs? J'ai même pas été blessé. Alors, le truc qui était sympa c'est que t'avais la tourelle en piqué sur le toit. Oh punaise. Bah tu vois, rien que pour faire ces conneries là, moi ça me plaît, tu vois. Au sac 2.
Philippe, où es-tu? Hup. Par contre, ça manque tellement de destruction quand même. Nos troupes se déplacent sur Bravo 2. T'as planté? Non. Fumigène ennemi! Attention! Oh merde! J'ai tout mis à... Voilà! C'est ça qu'on veut voir! J'ai vraiment tout mis à côté. C'était honteux de ma part. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Tourelle. Je vois pourquoi je sens que si j'expose la tourelle, je vais me prendre une bastos. C'est bien ce qui me semblait. Putain, avec le son, j'arrivais pas à savoir si t'étais encore en bas ou pas. Allez, je me suis accroupi le son pour faire le moins de bruit possible. Mais c'est pour ça que je savais pas si t'étais sur la petite coursive au-dessus de la tourelle ou... Punaise. Mais je suis nul. Par contre, j'ai l'impression qu'en hardcore et grenades, elles vont tellement plus loin qu'en normal. Plus loin? Ouais. Ah ouais? Bah, je sais pas, j'ai jamais fait gaffe. Putain, c'est ouf, y'a personne qui joue cet après-midi, quoi. En fait, j'ai même pas tiré sur la tourelle, j'attendais que tu passes pour te tuer, tu vois. Je me suis dit, si je vais mourir de la tourelle, pas grave si je t'emporte avec moi. C'est le bon choix. Veut pas tirer ce con de tourelle. Oh putain, quel nard. Quel nard, sans déconner. Comment je peux mourir comme ça, quoi? Ça n'a été qu'un autre mort. Ah ouais, sans déconner, faut vraiment pas être bon, hein. Oh, t'es pas mort là. Comment t'es pas morte là? Sans déconner. Des UPV, c'est ah rare, oui, tu m'étonnes, parce que là, sans déconner...
J'étais pas collé en fait au mur. Voilà. Ah, là la oui. La chaise m'a pas protégé. C'est dommage que je t'ai raté la première salve quand même. Je pense que c'était un endroit un peu fourbe là pour m'avoir. Ah ouais, t'es comme ça. Est-ce que tu vas me refaire le coup? Oh putain! J'ai 2 PV quoi! Alors là, là quand c'était même... chaud! Putain, 2 PV quoi! Ah, bien vu! La petite tête de fouine au fond! On m'a déjà fait une fois en fait à te mettre à mon gars! Donc je me suis dit, vu le peu de PV que t'as, à mon avis, tu vas me refaire le coup, tu vois! J'étais pas très chaud d'aller rusher, ouais! Mmh. Oh putain! Je tire en premier là! 42 PV. J'étais couché aussi. Ouais. Ça va être déjà bien entamé aussi. C'est ce qui m'a sauvé, je pense. Oh putain! Et à moi! Ouais, merci! Par contre, la pick-up, elle est longue! Elle est longue à mettre en joue! Toi, j'ai été fair-play, je me suis même pas basé sur le fait que j'avais entendu dans ton retour son déploiement de tourelle. Ah! Putain, j'ai pas eu le temps de tirer! La tourelle est meilleure que toi, elle m'a laissé 32 PV! Ouais! À l'attaque. Avance. On suivra vos actions. Oh merci les banquettes. Oh merci les banquettes. Putain de CM. Merci les banquettes. Putain, c'est mort, putain. Bon, ta roquette est meilleure que toi et PKM, que 20 PV restants. Ah putain. Bah oui. Je serais pas redéployé, ta tour m'aurait peut-être tué, j'étais en train de recharger. C'est dur tout seul de prendre B2. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je me suis dit, tu m'as fait diversion vers cet endroit, donc tu vas pas passer par là. Je pensais que tu aurais été accroché à ton vulcain, que tu aurais été embuté sur le côté, que tu pouvais plus tourner. Non, mais je me suis dit, attends, je vais tirer une ou deux sacs, il va croire que j'y suis. J'ai eu le nez creux sur le coup, je crois. Sans déconner. T'aurais dû c'est juste pas normal. T'aurais dû viser le torse, il me restait 20 PV après ta roquette. La majorité des secteurs est sous contrôle. T'es vraiment à poil là sur le coup. Ah
Oh putain, bien joué. Ouais, t'es bug, ouais, j'avoue. Bien joué, bien joué. Je savais pas c'était toi le rocher. Je suis un rocher. Je suis un rocher. Je suis la roche. Tac tac tac. La PKP, je peux pas changer la poignée. Ah non, putain. T'as des armes, t'as 26 poignées, support, machin et compagnie, il y en a d'autres, c'est voilà. La PKP c'est pas une. Attends, je regardais ça. PKP c'est pas une arme qui a été rajoutée avec le pass. Non, non, c'est... je pense pas. Ah non, PKP, BP, ouais, c'est une de BF. Parce que celles qui sont... les coffres d'armes, effectivement, c'est un peu... Putain, je mets tout à côté, enculé, c'est fou, ça. Là, vraiment, je sais pas ce que tu me fais, mais... Ouais, là, je suis pas dedans, là. Je suis pas dedans. Bon, en même temps, déjà, on va reprendre un bon perso. Voilà, on va prendre une bonne arme, voilà. Après j'avoue, ta tourelle était plus efficace que toi. C'est vrai. Non, je rigole. Parce que tu m'as enchaîné un moment aussi. Hein. Ouh, là j'ai touché. On s'approche. Hop. C'est bien, grâce à toi j'augmente ma maîtrise de matériel avec le... avec le M5. Je sens que t'es au-dessus de ma gueule, je sais pas pourquoi. Un objectif est attaqué. Même pas, tiens. Oh putain, mais... Je touche, mais ça veut pas crever. Après, bah j'ai aussi protection hein, du minigun. Ouais, t'as la protection dessus. Hein. J'aurais dû continuer à me tirer dans les pattes parce que je savais pas trop, je te voyais pas vraiment où t'étais. Ah mais j'arrivais à la fin de la smoke. Et à la fin de mon chargeur accessoirement. Au moins PKP t'avais pas de problème. C'est vrai. Comment tu pètes pas là? Comment ça se fait que j'ai pas pris de dégâts? Ah ouais? Là j'ai pas compris là. Parce que là je te la colle dessus la grenade. La tourelle a pris des dégâts après. La tourelle a pris 55 points de dégâts, c'est tout. Je suis la mer, je suis la roche, je suis un rocher. Par contre, on est d'accord, là genre un camouflage rouge. Ah, t'as fait comme à tourelle. Ah putain, je me couche avant. Non mais j'ai bientôt avoir plus de bagues moi à ce rythme là. Il me reste 34 bagues d'armes d'assaut. Eh, hey, à l'usure tu m'auras. Oh non, ah non, ah non, ah non, ah non. Mais il t'a... T'es qui le patron?
Ouais, j'avais plus de roquettes, j'avais plus que le fusil d'assaut pour t'abattre. Vas-y, je te rattends sur la plateforme. 1v1, viens avec ton hélico. Nos ennemis attaquent, bravo 2. Même pas capable de venir avec ton hélico. Putain, mais c'est un truc de fou, dès que je me couche, ça me tue, hein. Je couche trop tard, mon ami. Casse les couilles, ce jeu de mort là. J'ai dit de venir avec l'hélico. T'as pas voulu jouer? Mais non, j'ai lâché l'hélico. Ah, mais attends, je vais le récupérer l'hélico, ça c'est pas un problème. Pour les inscouer, avant oui, ça c'est vrai que tu peux le récupérer. Il est là, pépère. Oh putain. J'y crois pas. Pourquoi la smoke elle a pas marché sans déconner? En fait j'attendais que tu le prennes quand j'ai vu le retour commencer à tourner, j'ai tiré. En fait je visais avec le M5, j'attendais juste que le retour tourne pour tirer. J'avoue c'était fourbe de ma part. Vraiment t'es pas bon en hélico hein. Non, mais véhicule je suis pas une machine. Bien le bonjour. Salut, Félix. Monsieur Félix. Oui, salut. Ça va comment qui va monsieur Félix? Bah écoute, comme un dimanche. Comme un dimanche? Un dimanche à la campagne? À peu près. Bref. Oh. Sors ta tête. Non. Oh putain, mais tu prends rien, c'est pas possible. Ah sans déconner, là pour le coup j'ai tout mis dedans. Là. J'ai tout mis dedans. J'ai peut-être perdu un rat, mais c'est un autre problème, ça. Je rigole, mais on rigole tellement plus en étant que les deux sur un serveur qu'avec c'est clair. Ouais, si tu veux t'amuser, Félix, viens pas avec nous. D'accord. Ça dépend. Parce qu'on a lancé le serveur BDX et ça fait, je sais pas, 1h30, on est que deux, alors. C'est vrai? Ouais. Il est visible? Ouais, il est visible. Bon, on est monté à 5, 6. Et puis il y a Manu qui s'est barré et du coup les autres ont suivi. Moi je crois qu'au maximum qu'on était c'était 4 ou 5 je crois. 5 ouais je crois. Donc là on fait le con à 2 en fait. Bah oui. Mais c'est tellement drôle. Mais c'est tellement marrant. Y'a un Vulcain pour toi, t'es où? J'arrive. Alors, soit t'arrives avec un hélico à me foutre dans la gueule, soit un tank, soit un brûleur. EBLC. EBLC. Bah c'est bon. Bah même chez les bads, il est tout seul le type. Bah c'est pour ça en fait qu'on a ouvert le serveur, c'est que c'était que le serveur large map chez les bads qui était ouvert. Bah là ils ont ouvert l'autre mais il est tout seul. Ouais l'admin est tout seul. C'est pour ça, on était dessus avec Manu, on était que 3 avec l'admin qui jouait pas, du coup on s'est dit bah tant qu'à être 3 autant ouvrir le nôtre. Logique. Donc voilà. Mais bon, on se disait que ça allait arriver, et je sais pas, ça patine un peu là. On vous surveillera d'ici. On est bien parti pour gagner. Les objectifs sont sous contrôle. Ah, y'a un, ils sont. Ah, même si c'est le 880. Ouais, c'est ça, c'est le large map qui est ouvert. Ah non, l'autre est ouvert aussi. Enfin, oui, oui. Il y en a un troisième. Il y en a un. Ah merde, trop tard, c'est lancé. Je crois que j'en ai vu un troisième, mais y'a pas grand monde dessus non plus. Mais non. Et j'en profite du petit rayon de soleil. Ouais, peut-être. Bah, Manu a le temps de la pelouse, il a dit qu'il revenait après. Ah. T'as pas dit la taille de sa pelouse, par contre. Bah, si j'avais une pelouse, je l'aurais des biquettes. Hein. Je me ferais moins chier. Ouais, je pense aussi ouais, que j'aurais 3 moutons. Hein. Une robot tondeuse? Attends, est-ce que c'est. Ah ouais! Mais non! Oh, mais c'est horriblement fort contre les hélicos, la PDS! Ah ouais. Ça marche pas. Félix, je sais pas si t'as vu les screenshots qu'on a mis avec. Oui, bien joué. Ouais, c'est bien joué. Non mais l'hélico, sincèrement l'hélico, ça a été tendu de le mettre là. Ah bah oui, j'imagine bien. Ça se voit qu'il y avait pas grand. Oh putain, le jeu s'est coupé. Mais quel jeu de merde.
Et c'est hallucinant. Le lancement ouais, du jeu, parfois tu dois le lancer 3-4 fois. J'étais en train de... Ouais, j'étais en train de jouer là, et puis pouf. Non mais l'hélico, j'avoue, m'a amené sur B1. Au début, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on y va? Puis on a tenté pour au moins 10 minutes. Bien joué. Hein. Ouais. Après, autant que Brawler, je vais montrer à... Bah, sur un map c'est quoi? Expédition. Exposition. Ouais. Exposition. J'avais déjà réussi à l'amener là où, sur B1, donc je vais montrer comment y aller. Le temps que pareil, je vais montrer à Dev comment faire. Ah, c'est cool ça. C'est des trucs quoi. Autant hélico, je pense que ça servira jamais à rien. Hélico de combat. Strict si à te faire défoncer par un. Ouais, voilà, c'est ça. Lance-roquette quoi. D'un point de vue technique. Mais c'est exactement ça pour moi, mais je pense. C'est rigolo, ouais. L'hélico, bah, c'était drôle parce qu'on était que les deux, mais en combat, je pense que ça meilleur temps de laisser derrière. En train de bombarder le point de loin. Parce qu'au moins, en cas d'urgence, tu peux vite monter. Ouais, parce que ça immobilise un moyen, quoi. Alors que par contre, le brawler pour ramener sur B2. Ah! Bon, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Fais chier, Eli, j'avais presque pris le point là! C'était le but. Donc là, je t'avais enlevé quasiment 70% de vie en un obus sur Glico, ouais, c'est-à-dire 3 obus en normal. Hein. Bon, après, c'est un chargeur de 8 coups, donc t'as pas intérêt à te rater. Hein. Ça part vite. Hein. Oh. Def? Non. Aucune idée si ça tire assez loin. On prend d'assaut, bravo 2. Il veut la jouer comme ça, mon petit Def. L'ennemi a investi le secteur Charlie. J'ai vu ton brawler, ton de BLC. Bon. Oh merde. Def. C'est toi qui viens de dégringoler comme une merde. J'ai envie. J'ai survécu. En fait, j'avais pas assez d'aigrant, donc je suis passé entre l'hélipad et le... J'avais que le devant du brouilleur sur l'hélipad, donc le cul m'a fait chuter derrière. Putain, on est arrivé au bout du temps. Ah merde. Ah bah sur les maps rallongées, il y a d'autres points. Ah putain, ils ont modifié d'autres points sur des charges. Ah, sur des charges, oui, t'as... Les points qui sont en plus sur la map rallongée sont géniaux, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Il est plein de serveurs ou pas? 32 contre on est 60, 70, non il reste 10 places. Et bon bah te rejoins, crée un groupe, on te rejoint. Ouais, fais un groupe et puis on te rejoint. Je vous fais un groupe? Ouais. Ouais, s'il te plaît. Alors, invité. Parce que bon, on s'amuse bien mais on s'emmerde un peu quand même. Invité. Maintenant qu'il faut qu'on essaye de mettre en pratique qu'on a vu. Tu m'étonnes, par contre, expédition, tellement facile de mettre ça en pratique. Exposition. Putain, j'ai absolument envie de dire d'expédition ou d'exposition. En même temps, c'est une expédition ce map, hein. Surfer entre les snipes. Oh, mais sincèrement, le brawler, même le BLC, je pense le mieux sur exposition, d'un point de vue technique. Mais parfois, quand t'as un tank ou autre, savoir que tu peux aller sur B2 pour terrasser le monde sur B2. Ah bah voilà, on est tous là. Ah bah quand t'as 15 bonhommes sur B2, tu rentres là-dedans, déjà t'en écrases 5 ou 6. Après avec la roquette, oui, t'as moyen de faire 10 kills en 5 secondes. Avec le brawler, avec la lance-grenade multiple, si jamais tu vas sur B2, tu peux facilement liquider une escouade ou deux. À chaque fois que je dégomme un véhicule, je sais pas si vous avez ça, ça me fait à chaque fois... Kill et assist, ça me fait sur les personnes. Niveau XP.
Au revoir Félix. I am dead. C'est bon, vous avez reçu les invites? Ah oui, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, on est dans le groupe, on est en jeu. Quel con, putain! Merci pour le verrouillage, j'ai pété le Wildcat, je crois que c'était. Ouais. Alors, comment elle est branlée la map là? T'as le bateau. En gros, là. T'as. Ah oui, ils ont rajouté les A et B, ouais, d'accord. En gros, t'as deux points qui c'est le bateau lui-même, t'as un point que c'est C1, c'est l'avant du bateau. Ou arrière, qui est son point de vue. T'as deux points extérieurs, t'en as un c'est l'ancien village, t'as l'autre c'est un petit camp fortifié qu'ils ont créé. Bah ouais mais souris, mais en même temps souris mange tes morts. Qui c'est qui est mort au-dessus de moi là? C'est moi. Ah, descends Félix, j'en tu peux. Descends. C'est le tueur qui veut te cacher quelque part. Merci. Ah, on perd B1. B1, je suis Jebel et un nouveau truc aussi. Ça. Non, elle est la nouvelle map elle est bien. J'ai déjà pu la tester. Bah ils sont presque full cap hein. Où il est caché ce temps papier? Là j'ai pas vu, c'est l'édifice de sniper. Eh ben tout gagné à parti, facile. Ouais ouais, il y a le Colt Magnum. Oh, il y a le Colt Magnum. Ouais, enculé. Ouais. Ça c'est moins drôle. Il y a toutes les armes. Oui. Donc il y a y compris le... Le roche. Ouais. J'ai jamais retesté le roche depuis que c'est pris son nerf à 1 seconde de charge. Non plus 0,8 secondes. C'était toujours bien ou c'était devenu une arme de merde. C'est un véhicule ami, qu'il est con celui-là. Vous êtes avec un Avricon? Le big CIC là. Je pense qu'on a un qui est dans la banque le CIC. Peut-être. Le missile TOW c'est vraiment de la merde. Ouais, je comprends pas trop l'intérêt de ce truc là. Ah ouais, le machin, il, tu vises un point, il part 150 mètres à côté. C'est du filo guidé, avec les problèmes du filo guidé. Ah, c'est Roland Culé qui a fait le plus grand nombre de réanimations. Merci à le campeur, alors lui je comprends pas qui. Il fait que camper.
Bon allez, celle-là elle est pour nous là, qu'on se fasse une exactement. Petite... Une petite première escouade. Donc Russe, je peux prendre le T-28 pour finir. D'après nos renseignements, les États-Unis utilisent leurs satellites pour masquer la mise en orbite. Je crois qu'il faut le avec 38 et que le T-28 est exact. 38 tooping. Votre mission consiste à pénétrer dans l'installation et à tout faire pour empêcher les Américains de l'occuper. Ah, on voit toujours pas les hélicos et tout ça, c'est casse-couille. J'ai un Hind. Ah. Tu veux aller où? Où tu veux? Allez, allons sur A pour pas changer, allez. Une équipe qui gagne. Vous allez sur... Ok, vous allez là-bas. Ok, donc vous allez sur... On prend la route terrestre pour... Attention, on a un avion à gauche. En haut à gauche. Ouais. Il est derrière nous. Il est derrière nous, l'avion. Ouais, derrière... Ouais, il s'est écrasé. Il s'est scratché. Non, c'est notre... Il s'est scratché. Ouais, il s'est écrasé. J'allais dire... Il y a un Condor au-dessus. Il est vraiment au-dessus de vous, le Condor. Il a pété. On est en train d'attaquer Charlie 1. GG. Ouais, en face ils sont déjà tués, je sais pas. Pas cool. Ah, mais... Oh, saute. Je suis dans un mur invisible. Putain. Oh. Comment il a fait pour me tuer alors que j'étais en parachute? J'avais un... j'étais buggé dans un truc invisible. Faut mieux que c'est l'arme qui me buguait. Oh, à gauche. A gauche, Ali. En haut. Il y a un char ennemi. À côté de notre char. À côté du... Ok. Il est détruit, j'ai eu une assistance repérage. J'ai jamais trop rejoué à celle-là en grande, en fait. Il y a des mobs, j'ai déjà fait plein de fois en grande, autant celle-ci depuis qu'ils ont rework, je crois, j'ai jamais dû trop à jouer, peut-être 2 fois ou 3 fois. Avec le bruit du char, j'entends plus rien. Allez, droit devant. Allez, il est retombé de l'autre côté. Vous avez un char qui sort de B2 là. Un char qui sort de B2. Et les un véhicule. Ah non, c'était un brawler, mais il a pété. Ah, il est mort. Confirme. Toujours un petit obus au cas où. Pète de partout. Quoi, c'est un type qui volait là? Aucune idée. Ah, il y a bien du monde là. Ah, dans un arbre, obus. Véhicule. Il est quasiment mort le char. Mais là je joue sur toi du... Au-dessus du bunker, il y a du monde. Donc à droite. C'est 5 sur nous. Oh merde. Explosif, hein, carrément. Ouais, j'ai vu trop tard. Je l'ai pas vu. Moi je l'ai pas vu du tout. Et moi je l'ai vu, il était devant mon capot et j'ai pas percuté quand il a commencé à mettre les premières. Il est mort. Oh merde, derrière nous! L'info. Il va crever lui! Alors, le chargement M5. Ah putain! Ah, sans déconner, je me fais TK là! Casse les couilles! On arrive, on est pas loin. Droit devant, sur le point! La lise! Ouais. Ah putain, j'avais pas vu sur la gauche. Merde, désolé. Je suis là! Ah, je fais que de la merde, c'est fou. Derrière nous. Il a été tué. Au-dessus. Une unité ennemie abattue. Il est battu avec le flag. Dans la porte, il y a une grenade qui est sortie de par la porte du tunnel.
Putain, le Super 500, c'est soit il te découpe en une fraction de seconde, soit il te faut 12 balles. Ouais, c'est assez aléatoire comme fusil à pompe. Allez, à toi! Et Corsair, il a changé de véhicule. Il est en DCA. Ah. Plusieurs objectifs. L'ennemi détient tout le secteur, bravo. Il reste qu'une poignée de secteurs. On peut pas casser les grilles. Casser ces grilles, ouais, on a eu la même réflexion. Par contre, faut pas qu'on s'obstine là-dedans parce qu'on a pas grand chose. Non, puis il est pris le point, ça y est. On descend peut-être sur Echo. Sur eux, sur allez. Eux, ouais. Allez. Allez à cette position. On a combattu un petit. Ça monte d'Echo. C'est bon, ça monte plus. Heureusement que t'es plus réactif que moi. Oh putain, s'il y a un monde. Vois le monde qui est en bas. J'ai fait défoncer. Là-bas. Il a battu ceux que je visais, mais il y en a un autre. Ah, c'est Lucher, hein. Il est où Lucher encore? Il looch. Lucher est encore suspendu quelque part. Là, je me suis fait une petite compote à la rhubarbe pour le goûter. J'ai hâte. J'avoue, j'aurais jamais testé une compote à la rhubarbe, tu vois. J'ai jamais mangé ça, la rhubarbe, ouais. Ah, putain. Autant. C'est une tuerie. Si c'est, il faut que ce soit bien fait, mais c'est une tuerie. En tarte, j'adore. J'ai jamais mangé non plus. Putain, j'en ai marre de me faire TK sans déconner. Là. Alors, le summum, les garçons, c'est une galette au sarrasin, de la compote de rhubarbe et du fromage de chèvre. Ça, ça donne ça. Envie, ça. On vient quand c'est toi pour tester tout ça. Si t'as une petite bolette que t'as envie de séduire. J'ai découvert ça, rien de venir. Pour ça que j'ai respawn. En fait, son souris hauteur en train de canarder. Par contre, on a perdu tout le reste de la map. T'es où? J'arrive. Normalement, je suis dans la smoke. Je me suis auto-smoké avant de mourir. Ah, il est tout là-haut. Ah putain, est-ce qu'il est caché aux sphères? Ah vu, il est couché là, au-dessus. Ah putain. J'ai cherché Corsair. Oh, il doit être... Il est où? Bon, le prochain qui meurt, j'ai besoin d'un gunner. Vécu Corsair est mort. Par contre, il y a une deuxième DSA qui s'installe au même endroit que était Corsair avant. Là, je pense que sur la tour, il y a de quoi se faire plaisir. Ah, ils volent. Attention! Oh ouais. Putain, ouais. J'ai pas vu d'où ça venait, mais. C'est sur le côté. De votre gauche, ça venait. Ah, dessous, sur le parking là. On subit trop de pertes. Ah putain, c'est quoi ça? Parfait, on lâche rien. Ah, on a un huron sous la gueule. On a un huron au cul! Ouais. Il est où? Ouais, saute. T'as sauté? Nickel. Il y a des serins chez lui. Quoi? Oh bordel! Oh, il est encore allongé. On entend des oiseaux.
Ouh. Bah alors les gars, qu'est-ce qui se passe? On me fait chasser par un truc volant. Non identifié. Oh putain, connard. Ah, identifié, c'est sûrement un hélico, mais... Ah merde, désolé. Il est juste à côté de mon cadavre, là. Ouais, là-bas. Sans déconner, elle me refait la même. Bah tu te mets devant moi au moment où je... Mais non, mais c'est pas toi qui m'as tué. C'est lui qui m'a tué, là. Smokey, hein? C'est mort, là. C'est elle qui m'a tué, là. Ah, mais je crois que c'était moi, parce que tu t'es non, passé non, devant non, c'est mon... elle. C'est pour ça, elle me refait la même. Je me décale, je lui tire dessus, et... Il y a un condor qui vous arrive dessus, les gars. Voilà, ça tire de partout, je vois plus ce qui se passe. C'est le condor qui est en stationnaire. Ah. Elle est compliquée, cette map, quand même. Ouais. Sur D1 c'est où D1? Là-haut? Allez. Tu descends sur l'hélico? Bah attends, on arrive sur toi, Death. Il y a un truc qui a pété vers moi. Moi j'arrive avec un tank. Ça tire de droit devant, Ellie. Je suis body block. Je sais pas si tu vois, ça tire de derrière l'arbre. Non, je suis coincé. Ça ressemble à un véhicule. Je suis coincé. Ah merde. Coincé, putain. Ah, fais chier. Félix, sors de là. Qu'allait-il faire dans cette galère? Sors de là, Félix. Ouais, vous faites tirer dessus par je sais pas quoi c'est là. C'est un mais... hélico, un Apache. Eh ben, on était body block en fait. J'ai coincé le tank dans, contre la falaise. On va essayer d'aller sur un autre point parce que depuis qu'on est sur ce point, en fait, on fait que A écho entre les deux points écho. Mais c'est ça que j'aimais pas trop sur ces maps là qui sont vachement grandes, c'est qu'au final, tu peux passer une map entière sur deux ou trois points quoi. Tu vois, c'est ça. Et t'as pas vu le reste de la map. Je recharge, couvrez-moi. C'est un ranger. Ah punaise. Ah merde, mon bonhomme il arrête pas de courir. C'est quoi ces bugs? Il arrête pas de courir. Ouais, du coup il peut tirer. Tu veux plus de moi, hein, j'ai compris. Tu peux pas me réanimer. On descend sur Bravo, on change un peu de points. Ouais, ouais, on fait Bravo, on va faire Bravo, B, on va faire B2, B1 et Alpha 1. Ou même Alpha 1 direct. Véhicule les gars. Devant vous. Véhicule en bas devant vous. Où ça? Je sais pas, un peu plus bas là, en contrebas, il apparaissait sur la map. Véhicule là. Il est au pied de la tour, je pense. Ouais. Il est fait péter, hein. Il s'est fait découper. Il lui manque une balle, c'est un entier. Il y a un Wildcat que j'ai fait sauter. C'est bon. Le Wildcat est mort. Ah, ok. On paraît pas de le même Wildcat là. Il y en a un deuxième qui est parti en B, je crois, Wildcat, non? Ouais, c'est... justement, je parie du deuxième qu'on a fait sauter avec un tank. Okay. Def, regarde derrière toi qui est là. Qui est moi? De quoi? J'étais aussi rapide que toi en faisant tout le tour que toi avec ton grappin. On se fait tirer dessus mais je sais pas d'où, mais il a réussi quand même. SW10, putain. On a épuisé la route et nous rend pas. Je sais même pas comment j'ai réussi à monter moi. Putain, on a tout perdu! Ouais.
Et pourquoi j'arrive en B alors que j'ai dit A? Putain! Ça monte les escaliers derrière B1, derrière 1, pardon. Vous avez un hélico sur 1 aussi. Hélico vénère. Ah, bordel! Je vais te refaire une santé. Merci. Oh, je m'en refais. Ah, mais qui c'est qui m'a tué? Attention, il t'a battu. Je vais t'aider. Attends, on va calmer un peu l'autre zozio là-haut. Ah putain, mais ouais, mais bon, là c'était chaud là. Là c'était complicados. Ah merde, pourquoi j'attends pas? Surtout qu'on est, y a du monde, on est pas. GG ça. Dis-vous à côté, bah voilà. Merci Ellie, ça c'est ça qu'on veut voir. D1 en train d'être pris, B2 en train d'être pris, D1 perdu, et quoi, on est pas bon. On peut y aller sur C1 si vous voulez. Ou C2, B2 déjà. Ah, B1 ils étaient... Non, on perd B1. B1 on était à 5 contre 1. Qu'est-ce qu'il fait à nous tirer dessus l'abruti là? B1, ok. Bah B1 j'y suis. Dans la piste. B1 on est passé, on était à 5 contre 1, on est passé à 1 contre 6. Ah ils sont sur la montagne au-dessus de B1. On se fait déchiqueter. Et de... Ouais, on repère un, non, on en reprend. Ça s'est parachuté, ouais. 4 kills. Alors, il arrive, Zef. Mes balles passent pas à travers les marches, je pense qu'on te laisse, oui. Wouhou! Oh, bien joué. T'as eu quoi, le Little? Ouais. Nickel. Le Little OM5. Ça, c'est beau. On va la perdre. Et le Little OM5, ça fait plaisir. Tu m'étonnes. On fonce sur quoi? Sur B1? Sur B1, ouais. Il y a un gonce à court devant toi, Ellie. Pendant que je tire. Oh, bordel. Je sais pas où il est. En fait, je suis dans... oh, putain, je du côté du tunnel. Oh, le bas de Paderon, là, je sais pas ce qui s'est passé. J'y mets un chargeur, il prend pas. On repère un. Bien évidemment. Sans recul. Ah, ils sont... ouais. Elle est perdue, hein. Ouais, là, elle est perdue, là. 300 points, jamais on les rattrape, ça. C'est moche. Bon, cela dit, on a une bonne escouade, quand même. Oh, je me suis fait là. Bah d'où il est? D'où il me tire dessus l'autre au snipe alors que je suis sur un? En bas hein. Ouais, il est dans la montagne au niveau de leur spawn. Et j'ai un médic qui est juste devant moi. Il t'a réanimé. Enfin là où je suis, je sais pas comment... D'où il tire? L'ennemi occupe le secteur Charlie. Ah putain, il est sur le mur, sur les coursives, c'est bon. Ennemi multiple, tout là-bas. Là, ennemi en... Nos airs prennent D, c'est déjà ça. Il peut y avoir de non, mais le Wildcat qui campe.
Allez. On a A2 ou pas? Ah mais y'a pas de A2 sur cette map. Non, y'a pas de A2. C'est... Bon, je retente B si j'y arrive. Avant de mourir. Allez hop, un brûleur de moins. Allez hop. Oh là là, c'est quoi? Un volcan? Oh. Personne en B1. Ah donc c'était un volcan alors qui m'a tué. Il était parallèle à D1. Yep. Hélico les copains, hélico, j'ai ce qu'il faut pour le calmer. C'est un ion. Petit patapon. Oh là, tu sors du truc, tu te fais. Les mecs ils prennent pas le point, ils campent autour. Je me suis tapé à carcasse du condor, donc j'ai crashé l'avion. Oh, mais bah comment ils ont fait ça? Comment il a fait ça, le héron? Oh là là, ah, ah, ah. Je suis dans le bâtiment, il balance les bombes, ça me tue. Eh non, c'est pas une bombe. Quand tu regardes, tu t'es fait tuer au SRGL. C'est bizarre. Voilà, c'est plus que chelou. C'est bizarre, cette histoire, ouais. Le secteur éco est sous contrôle américain. Défendre D1, c'est passé. Allez hop, à dégager, je suis pas loin. Ah, ils sont dans le point maintenant. Ah putain, va aider OG. Dandy, ok. Ah putain, hop. Mais D, tu peux descendre, ça mène où? Ouais, y'a plein de trucs au contrebas. En fait, t'as le tunnel qui rejoint B2 ah à Eco 1. Ah, ok, ça marche. En fait, t'as un tunnel qui fait les deux côtés de la map. Par contre, tu mets une ou deux mines dedans, c'est bon, t'es tranquille. Hein. Attends, on va monter en même temps. Tyrolienne, chacun prend un. Je prends soit de gauche. Non, t'as pris gauche. Et hop, on monte. Putain, hey, avec mon coéquipier des squads, on a flingué tout le monde sur D2 quasiment. Les troupes américaines refusent de céder du terrain. Ah putain, il revient. J'étais en train de sortir le M5, ça lui aurait fait la bite. Ah, fais gaffe, ça monte. Tiens, c'est un ennemi. De bête. Oh, faut laisser tomber, il rentre tout dedans. Ils sont rentrés à 3 ou 4 dans le bordel. C'est un ennemi en fait. Nos ennemis contrôlent le secteur alpha. Ah, on est full cap, non? Si. Ah putain. Regarde un peu qui cap dans l'équipe, tu comprends vite fait ce qui se passe. Et où il va l'autre? Il va sourder à mon avis avec le brouilleur, non? Même pas. Parti sur Eco, me demandez pas pourquoi, c'est au point le plus proche. Ah putain! Sur mon cadavre il est. Ah oui, il est mort, ça y est. Médic. Ouh, le F-35 dans ses dents, le sans recul. Qui c'est qui est mort? C'est moi. Ouais, le temps qu'il y a juste un canardé là-dedans.
On voit qu'il me tue le tank. Hein. Quatre fois. Oh. Surtout que le char il doit pas comprendre, il doit. Ellie. Il doit dire là, là il y a un problème. Deuxième en réanimation quand même, avec cette réanimation. Pas mal. Sans être médic. Et le premier il est 9ème. Il y en a 9. 50 éliminations. On est combien? GG! Et au moins on a ça. Ah ouais, bien joué les gars, oui. J'arrive tout de suite les gars. Allez, on va arrêter le stream. J'avais dit que c'était un petit stream aujourd'hui. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi ce stream. J'espère qu'il vous a plu. Or, très peu de multi. Finalement, c'était beaucoup de l'amusement entre potes. Certains astuces que j'ai pu donner en public. Donc, ça peut vous aider. C'est le principal. Merci à tous d'avoir regardé ce stream. C'est une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.